Salut à tous, bon merde, faites comme si vous avez rien entendu, poulet, voilà, oui parce que j'en ai marre de dire salut à tous à chaque fois, parce que j'ai regardé mes vidéos, enfin j'ai pas regardé mes vidéos mais il y a quelqu'un qui avait mis une sale note dans mes vidéos, enfin, ouais dans toutes mes vidéos quasiment, donc j'ai zappé d'une vidéo à l'autre quoi, histoire de, histoire voilà de, parce que j'ai remis des bonnes notes par dessus pour combler quoi. Compenser. Enfin bon, c'est pas la question. Mais du coup, j'entendais le début de chaque ligne de mes vidéos. J'ai remarqué que j'ai jamais dit autre chose que salut à tous. Donc là, j'ai décidé de changer pour le fun. Attendez, excusez-moi 5 secondes. Saloperie d'antivirus de merde. Cet antivirus, il m'emmerde plus qu'il me. Mais utile quoi. Ouais. Putain, et en plus il bug. Casse-toi. Voilà. Bon, alors oui. Donc on avait récupéré Sock. Et on est donc en route pour récupérer aussi également notre oui, aussi également en plus donc notre notre corps ainsi que sauver le monde, pourquoi pas, pas tout, on a un jeu, donc oui je sais pas trop comment on fait pour le coffre, d'ailleurs je sais pas pourquoi je m'emmerde d'aller dans la coffre, donc oui là on va donc aller retourner là l'endroit où on est mort et donc par la même occasion revoir les gens, et je vous rappelle aussi qu'on avait Lolo, le petit gamin là qu'on avait libéré, qui est également un perso du scénario de Salent. Donc il n'y a que 4, enfin c'est déjà pas mal, hein. Il y a 4 persos dans le scénario de Salent, qui sont bah, Salent, les gens, comment, Sock et Lolo, voilà. Donc je sais pas pourquoi je perds du temps. Hein. Je trouve ça bizarre parce que, enfin je me rappelle plus trop parce que ça fait quand même au moins 7 ou 8 mois, mais j'ai l'impression que j'avais déjà récupéré les coffres de la montagne de Feutor. Alors je sais pas pourquoi ils sont encore là, faut bon. En fait je vais essayer de quitter cette montagne le plus possible, je me demande s'il n'y avait pas un moyen de la quitter directement avec un des voix, enfin bon tant pis. Voilà donc on prend le bateau. Ce qui est bien avec RNH, c'est qu'on peut. Enfin, on n'est jamais vraiment perdu, quoi. Parce que c'est assez linéaire, quoi. Enfin, si vous voulez, par exemple, là, le bateau, c'est pas nous qui le dirigeons, quoi. Enfin, oui, je vous l'ai jamais vu. Enfin, si, je vous l'avais vu, je crois. Et dès qu'on le prend, voilà, ça va à l'endroit suivant, quoi. Donc, ils ont trouvé le moyen de faire un scénario vraiment. Enfin, super bien foutu, avec les 3 scénarios qui se rencontrent, etc. Et en plus, pas compliqué quoi. Il est pas compliqué comme scénario. Enfin bon, si on regarde, si on fait pas le jeu, enfin si on fait le jeu d'une traite quoi. Enfin je veux dire, si on met pas 3 mois entre chaque phase de jeu, il est pas compliqué à comprendre quoi. Voilà, et on retrouve donc les gens, Lolo et le père de gens. Seul à le reconnaître. Sur quoi Lolo il me fait marrer, enfin sa gueule. Ça fait un peu. Enfin je sais pas comment expliquer, mais. Pas Robin des Bois, mais. Avec son petit chapeau à plume. Enfin je sais pas.
Grémia. Ouais, ce qui ressemble à un reptile, donc ça, en fait c'est le Rudra des reptiles. Quoi. Et voilà, donc équipe au complet. Donc c'était rapide, hein, vous avez vu ça. Alors on va... Oui, je ne sais plus si... comment ils étaient équipés. Non, lui c'est bon. Seulement... c'est laquelle la mieux. Feu, c'est attribut haut. Bon allez, attribut haut pour une fois. Voilà, flame. Donc, je dis flame, mais en fait c'est flamme. J'essaie de prononcer en anglais des trucs qui sont en français, quoi. Et donc j'ai des requêtes de pour l'essence de mots que je vais m'empresser de faire une fois que j'aurai quitté cet endroit. Ça fait quoi ce jour? Non, j'aurais pas dû reprendre le bateau, je vais retomber à la... Pff, je suis con. Je vais retomber à la montagne de photos. Donc j'ai fait une connerie. Voilà, comment perdre du temps. Bon, maintenant faut que je trouve un truc à dire pour combler le vide. Donc s'il vous plaît. Non. Je pousse, mais... acheter du Mr. Freeze. C'est au Coca, c'est lui. Hein. Les glaces Mars aussi, si vous voulez. Bon, arrête, j'arrête de dire de la merde. Hein. Du coup, je fais une connerie, j'aurais pas dû retourner là, normalement. Donc, allez, demi-tour. Donc, ouais, je peux vous faire un petit résumé pour ceux... Oui, je sais, je fais toujours des trucs pour ceux qui n'ont pas compris, comme si vous étiez tous cons. Mais non, mais c'est parce que, en fait, c'est moi. Moi, je comprends assez difficilement, des fois, donc... Donc voilà, s'il y a d'autres gens dans mon cœur. Hein. Oui, bon, je suis peut-être con, d'accord. Donc oui, pour résumer, voilà. On a réveillé le Rudra des reptiles. Il nous a tués. Donc Rudra des reptiles qui est censé... faire prospérer la race des reptiles. Donc il était enfermé dans la pierre Lago. Et donc... Voilà, il n'était plus censé revivre. Donc on est mort. On a libéré le Rudra des humains. Avec Kulgen qui a repris notre corps. Donc notre but, bah tuer déjà le Rudra des reptiles. Car il n'a plus rien à faire là. C'est un peu raciste hein, comme. Voilà, dans le manoir de Rémia. Oui, j'ai compris. Oh non, ça lag. Non, bordel de chiasse. Putain de merde. Putain. Ah voilà, excusez-moi. Et je commence à dire des insultes parce que j'allais. Je pensais que j'allais quitter la vidéo. Mais en fait ça l'a pu. Ah! C'est quoi ce délire? Attendez. Voilà. C'est bon. Excusez-moi, j'ai dû quitter un truc. Oui, parce qu'il y a mon antivirus là, il me casse toujours les. Voilà, hein, vous avez compris. Parce qu'il arrête pas de. Merde, c'est pas où putain. Ouais, il arrête pas de faire des mises à jour sans me prévenir là, il m'énerve. Hein. Donc. Ah bah voilà. J'avais même plus à retrouver la sortie. Donc on est au 6ème jour, oui, donc on a énormément avancé par rapport aux autres scénarios. Donc là, si je vous ai raconté le scénario là, c'est surtout parce que je vais le changer. Donc c'était pour pas que vous l'oubliez. Voilà. Donc bon, voilà, sa lente a un peu changé de gueule. Et donc je dois faire un reset. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de charger le... Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de changer de scénario. Parce qu'on peut pas charger la partie apparemment. Voilà. Et donc je prends le scénario de Risa que je n'avais pas fait depuis longtemps. Avec la musique. Ma musique préférée de cartes du jeu. Et donc oui, alors... Je vais résumer quand même le scénario de Risa. Non ! La musique ! Donc je vais résumer le scénario de Risa. Vous vous rappelez, on avait juste libéré les papillons. On avait libéré les papillons, voilà, et... Oh putain, il va falloir que je me soigne, là. Ah, mais j'ai toujours pas fait de requête. J'ai commencé à le créer. On avait libéré les papillons et purifié l'air, voilà. Et maintenant, il faut retourner à notre ville natale.
pour aller voir son grand-père, je sais pas si je m'en rappelle bien. Donc je vais faire des requêtes. Donc première requête de Mythos Yggdrasil. Voilà, donc il se reconnaîtra. Donc qui c'est qui est. Donc, je pense que ça ne veut rien dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a dit ça au pif, quoi. Bah, pourquoi je vais un peu ça, bref. Donc voilà, juste qui c'est qui est, en fait. Hop, dommage devant sur tout le monde. C'est un peu comme Sakuraba, quoi. Ensuite, Aoyama, toujours de Mythos Yggdrasil. En fait, j'ai foutu le son à fond pour entendre la musique, mais... ça fait trop de bordel, les touches. Donc, Aoyama... Yama... Dommage d'eau. Et ensuite, Amateran, donc. Ma... Et j'ai toujours autant de mal à me repérer alors que c'est super bien classé. Oui, le mât. Et rang. Bah, y a pas de rang de toute façon. Donc, faire ra et n quoi. Franchement, mais la mélodie du truc quoi. Je vais être chialé quand j'entends ça, moi, sérieux. Le problème c'est que les bruitages sont plus forts que la musique. Voilà. Et ensuite, une requête de Panzer Tigre. Donc, Piranha. Alors ça, c'est bizarre, mais... j'ai l'impression qu'elle m'a dit quelque chose, cette essence. Je sais pas s'il l'a dit au pif, mais... Nara... Inna... Suna... Non merde, je vais le tirer. Non, il l'avait dit au pif. Je crois que c'était celle pour le citer, mais je comprends. Ensuite, une requête de Pikeni. Donc Perna, ouais, ça veut rien dire, hein, comme tous les autres trucs que j'ai mis pour l'instant. Donc Pikeni, c'est Magatama. Donc Magatama, c'est un objet important dans la série des Phoenix Wright. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, c'est des jeux sur... des jeux... pas policiers, des jeux de... enfin, c'est un jeu d'avocat, en fait. Et c'est vraiment excellent, hein, parce que les histoires sont géniales, quoi. Et donc, voilà, c'est un objet important de la série, mais pour pas vous spoiler, je vais pas vous dire à quoi il sert, quoi. Bon, ça apparaît à partir de Phoenix Wright 2. Voilà, Magatama. Non, je tire sur tous. Ah bah, on a des sorts variés, dis donc. Et ensuite, une requête de Druxor. Alors, wow. Je sais pas si je mets les espaces ou pas. Allez, on va les mettre. Où sont les espaces? Merde, ça saute. Ouais, comme ça. Non, on peut pas faire d'espace. Non, on ne peut pas faire d'espace. Pourtant, j'en étais sûr qu'on peut faire des espaces. Non. On s'en fout, alors on va tout coller. Alors, aïe. Aïe, ça existe pas, on va le faire comme ça. Tac. Donc, ouais, ni, ça veut dire je t'aime en chinois. Voilà. Donc, c'est pas ça pour moi. Et on va sauvegarder. Non, sérieux, je peux rester 2 heures sur la carte pour écouter la musique. Hein. Donc, on va repasser par la forêt du coup. Putain, je vais peut-être baisser le son. Voilà. Merde, j'ai oublié de me soigner, mais je suis vraiment. Hein. Je suis con, hein, quand même. Allez hop, un petit sort de soin. En fait, j'ai besoin de me soigner pour aller là-bas. Allez. On va le faire à l'arrache. J'ai plus de points de magie, tant pis. De toute façon, j'ai tué tout sur un coup, donc. Ouais, enfin, ils font quand même du dégât, c'est cool. La fin de la musique de combat est énorme, même si, quoi. Donc, oui, voilà, vous voyez, je fais de toute façon toutes les requêtes que vous me donnez, je les fais. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas 25 000 personnes qui m'en donnent, hein, mais. Je vais essayer d'en faire un maximum, de toute façon. Il y a tellement de possibilités que. Voilà, vous pouvez continuer à donner des requêtes, même si si vous n'avez pas d'idée, hein, vous dites au pif des mots qui veulent rien dire.
comme Mythos Yggdrasil ou Pandore Tigre. Voilà. Alors, enfin, je pense que ça va rien dire. Et donc, on n'a plus qu'à retraverser la forêt. Putain, c'est chiant, ouais. Ok. Parce que je voulais pas faire le scénario de Salon, enfin je voulais pas trop le continuer. Parce que tout faire à la suite comme ça c'est... Enfin comment dire... Après c'est un peu le bordel parce que... Enfin je vais pas le dire avec du tout. C'est un peu le bordel parce que vu que les scénarios se rencontrent, si les joueurs sont trop décalés entre les différents scénarios, vous allez un petit peu vous perdre quoi. Déjà que là j'ai pris de retard avec Risa. Surtout que Risa, je trouve que c'est la meilleure musique niveau carte et boss. Parce que de toute façon, vous avez peut-être remarqué, mais les musiques de cartes, c'est les musiques de boss en fait. Bon, version plus douce quoi. Vous allez voir que même les musiques de boss finaux. Je sais pas si ça se dit. Boss finaux. Ouais. Putain, mais qu'est-ce que je fous là hein. Je suis pas foutu de traverser une forêt quoi. Ouais, même les... Oui, non, j'ai dit. Ouais. Non, j'ai pas dit. Donc ouais, même les musiques de boss final, quoi. Final ou final, enfin, je sais même pas si ça se met au pluriel, final, quoi. Ouais, ça se met au pluriel. Ouais, donc même les musiques de boss final... Je sais pas pourquoi je me pose des questions, là. Quoi. Donc ouais, même les musiques de boss final sont énormes, quoi. Enfin, les musiques de boss final du 4i... Oh putain, mais j'ai crevé, là. En fait, on va se quitter là. Où je disais, la musique du boss final du quatrième scénario, bof. Même musique de boss normal de quatrième scénario, bof. Quoi. Donc là, je vais vous laisser là, et puis je vous retrouve de l'autre côté de la forêt. Hein. Donc à la prochaine vidéo, continuez le scénario de Risa, puis ensuite celui de Sion. Donc Salent, ça va pas être pour tout de suite, vu que j'ai bien avancé. Quoi. Bon, ben allez, à plus.